What's up YouTube? Aujourd'hui on est parti sur une petite vidéo en mode zombie avec mon ami Vov Goku. Salut les gars. On vous fait cette petite vidéo pour vous présenter un défi secret. Donc là je suis dans mes défis opérations secrètes et on va essayer de débloquer ce défi. L'enclume. Exfiltrez-vous en utilisant que des attaques au corps à corps. Donc on a des petits prérequis d'abord à faire pour vous faciliter la tâche pour réaliser ce défi. Vous allez pouvoir vous faire une classe avec le couteau et en amélioration de combat vous allez pouvoir utiliser aura de soin. Alors à savoir que c'est mieux si vous l'avez amélioré au niveau max. Il faut savoir que pour faire ce défi vous avez pas le droit de faire des dégâts aux zombies avec autre chose que le couteau. Donc pas de grenade, pas d'amélioration de combat. Du coup il faut faire une classe au couteau et mettre amélioration de combat aura de soin en couverture de terre. Parce que c'est les deux seuls qui font pas de dégâts aux zombies. Alors pour réaliser ce défi, plusieurs choses importantes à savoir, c'est qu'il va falloir économiser à mort les ressources. Donc on va essayer de fumer tous les zombies bien à l'intérieur de la map et pas en dehors pour pouvoir récupérer les matériaux qui vont nous filer, les frérots. Ensuite, très important, la seule grenade tactique que vous avez droit, c'est la grenade leurre ou le stimulant. Tous les autres font des dégâts et du coup ça vous fera rater le défi. Donc là, l'objectif ça va être d'avoir un maximum de grenades leurre parce que c'est ce qui va être le plus utile pour ce secret. Donc chaque grenade leurre que vous drop un zombie, c'est 500 matériaux d'économiser. Pareil au niveau des atouts, il va vous falloir que 3 atouts. Mastodonte, réanimation rapide et énergie. Le reste c'est pas utile. Oh putain mais c'est un truc de ouf, hein. À chaque fois les Semtex ça me met des grosses gains, j'ai l'impression que c'est une grenade leurre alors que non. Et du coup, surtout pour que ce soit plus facile, faut s'exfiltrer à la manche 11 et sans mettre le courant. Comme ça, il n'y aura pas de mégaton qui vont spawn. Et le défi il est plus facile à faire en solo ou en duo. Après, au-delà de 3 ou 4, il y a trop de zombies au moment de l'exfiltration et ça commence à devenir très très dur pour le couteau. On a de la chance, c'était fin de manche. Évitez de prendre les bombes comme je viens de le faire. Ça vous fait perdre des matériaux et de l'argent. Sinon, à la limite, vous la prenez à la fin de la manche. Quand on est tout seul, l'exfiltration, il n'y a que 20 zombies. Quand on est deux, il y en a 40. Donc c'est pour ça qu'à deux, c'est à deux et tout seul, c'est plus facile. Parce qu'à 3, il y en a 60. Et là, ça devient vraiment trop compliqué. Oh, regarde. Regarde ce que j'ai drop, Louis. Une grenade leurre. Une protection. Ah nice, 500 matériaux d'économiser aussi ça. Bon par contre, niveau ça va, matériaux, j'ai 500 bah moi j'en ai que 150 moi. 150, pas de grenade leurre. Ça va être la grenade leurre. En vrai au final tu peux rester là tout le long. Bah ouais grave. Jusqu'à la fin, t'as vite de quoi après sur toute la map. Faites attention avec les paralysantes parce qu'elles font 1 de dégâts. Donc ça vous fera rater le défi. De toute façon, tant que c'est pas une leurre, ne ramassez pas. Si stimulant, ça peut servir si vous avez pas de grenade leurre. Oh, une hache de combat, putain, j'ai cru que c'était une leurre. Ils arrachent tellement des tomahawks. Mais ouais, c'est abusé les tomahawks. Moi, potentiellement, je pourrais acheter 2 grenades leurre. Moi, totalement zéro. Ouais. 352 matériaux, c'est dur. De toute façon, vas-y, faut qu'on aille mettre le courant pour ça, je crois. Donc, il faut en fait, ah oui, j'ai dit, faut pas mettre quoi, mais faut pas craft le paquet. Ah non, j'ai l'arme d'armure. Fais gaffe vers toi, lui. Désolé, ça m'a. Oh, ça y est, j'ai drop une grenade là. Nice. Lourd là. Ok, j'ai une leurre et j'ai 500 de matériaux pour en faire une deuxième. Vas-y, tu mets des patates quand même en sorte. Trop d'armes. Grosse patate. Nice. Ouais, c'est que des syntaxes. Munition max. Ok, mais moi je suis pas craft tout à l'heure. Ouais, c'est bon, j'ai les trois. Quand tu veux. Dis quand c'est bon. I'm ready. Ready to go. Vas-y, avant de mettre prêt, attends, je vais acheter un verre. Vas-y.
À la limite, ce que vous pouvez faire pendant les 30 premières secondes, c'est essayer de fumer les gros zombies masto là qui ont masse vie et les chiens qui vont vous casser les couilles. Tu mets la première là. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'attends, je t'attends. Vas-y, c'est bon. J'active un leurre. Vas-y, mets la deuxième. Je mets la deuxième, je mets la deuxième. Vas-y. Mets la troisième, mets la troisième. L'heure. Je mets la quatrième. Vas-y. Mets ton outil. Un ennemi putréfié en moi. Vas-y, remets-le. On est plus, j'en veux. Vas-y, il y en a 6, il y en a 6. Allez, ça dégage. Wesh, mais c'est trop bizarre, j'ai l'impression que mes leurs, elles sont parties. J'ai l'impression d'en avoir avancé que 2 sur 3, genre. On a gagné la bataille du jour, équipe d'intervention. J'ai les gars. Allez, ça dégage, exfiltration racing. Voilà, donc comment on réalise ce défi. Réussir à s'exfiltrer manche 10 uniquement en infligeant des dégâts au corps à corps. Vous avez pu voir que les grenades l'air vraiment indispensable. Alors faut vraiment que vous en ayez 3 par personne. Et si vraiment vous voyez que vous avez plus de grenades l'air sur la fin, vous pouvez utiliser votre ulti aura de soin, ça va faire tomber les zombies juste à côté de vous. Et comme ça vous allez pouvoir les enchaîner au sol. Mais vraiment indispensable de ouf les grenades l'air. Sur ce les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur le zombie. On en a pas mal à faire, on va sûrement faire d'autres défis très prochainement. Il y a pas mal de défis secrets à faire qu'on va vous faire découvrir et on va vous donner des petits tips pour réussir à les faire plus facilement. Donc bonne journée à vous et à la prochaine les frérots. Ciao, ciao.